Connu pour son rôle de capitaine de police dans la série télévisée Caïn, Bruno de Brandt fait son retour sur le petit écran, ce mardi 7 décembre sur France 3. L'acteur enfile, à nouveau, le costume d'un policier, le capitaine Kandinsky, dans un téléfilm intitulé Le Voyageur, La Maison sous le Vent, diffusé à 21h05. Le personnage de Bruno de Brandt sillonne la France à bord d'un van pour enquêter sur des homicides non résolus. Dans la vie, Bruno de Brandt file le parfait amour avec une autre actrice d'origine belge, Marie Kremer, aperçue notamment dans Le Grand Hôtel sur TF1 mais aussi dans Un village français, sur France 3. Bruno de Brandt et Marie Kremer ont également travaillé ensemble en 2014 pour les besoins d'un épisode de la saison 2 de Caïn. Bruno de Brandt et Marie Kremer sont les heureux parents d'un petit Nino. Le couple s'est marié en 2012. Les amoureux sont devenus les heureux parents d'un petit garçon en 2016 qu'ils ont prénommé Nino. Le bébé de la femme belge est venu, il est même venu nous faire un cadeau merveilleux le 14 février. Bébé va avoir les deux nationalités. Bébé double, avait déclaré Bruno de Brandt, à la RTBF, comme le rapportait Gala. Un bébé qui a tout bouleversé pour les amoureux comme Marie Kremer, l'avait confié dans les colonnes de T-Mag. Il y a comme une nécessité immédiate qui a totalement changé ma vie. De même mon rapport à la joie. Je regarde mon enfance émerveillée. Je n'ai plus envie que l'on s'ennuie. Avait-elle déclaré. Loading Widget.